Léon Charles. Monsieur fait mon saisie. Non, monsieur fait une saisie parce que Léon Charles, monsieur parlait. Nous t'avons suivi le journal dominicain. Yo. Et puis, où qu'on est? Yo même, yo là, yo présent. Bon, moi-même, je fais ça, je fais. Je suis un petit même capable. Comme citoyen. C'est vrai, oui, journaliste, mais le citoyen prime. Parce que ça va passer là, quel que soit haïtien, dans quel que soit secteur, quelle que soit catégorie, et ben quel que soit rang social ou, nous tous doués concernés, parce que là, on a ici un rivon côté humilié, c'est nous tous qui concernés. Nous avons suivi le journal dominicain, côté que Guillaume Pile parlait. Ouais. Il y a des de dire oui, Luxon. Oui, il y a un lait pour lui, papa. Dis-nous plus, oui. Dis-nous plus. Dis-nous plus. C'est vieux monde pas me lier, vraiment. Tendez bien. Journal dominicain, yo, qui est très présent. C'est dossier canal là qui kembe actualité en République dominicaine. Il y a un article que m'a regardé sur Dialogue Libre qui dit que haïtiens ont affirmé que frontière là dans Darbonne l'a prêté fermé jusqu'à ce que gouvernement yo qui donc Haïti et République Dominicaine yo trouvé une entente. Et m'a dit ça. M'a dit ça clair. Comme petite, comme voix peuple là. Nous parlons en tête à Abibi. Sou et Abibi a cherché en tête Kounia, c'est parce que monsieur Wel kase dan. Monsieur te font bagay en gros pointet. Puisque le konnen gan pil ayisyen ti sousou, gan pil ti sousou vre. Dakou je m'ap gade magistra ou anamet la, il va fin bon moun. A dit monsieur maintenant tête li. Le fait que haïtien yo tout di yo nou grand goun vision ba kembe. Monsieur réagit comme ça. Et le kounya monsieur ouais haïtien yo décidé pour kembe tête yo. Monsieur besoin pour négocier. Comme pas ou vous voir. Et m'a dit ça clairement avec toute franchise. Nous pas gagne rien pour négocier à Kabinadel. Nous gon seul bagay pour nous faire pour l'instant. Assurer que nous garantissons la sécurité citoyen en Haïti pour nous gérer les frontières. Chercher l'autre partenaire pour nous faire échange commerciaux. Si nous avons pour négocier avec la République dominicaine, nous avons fait le Abinadel pas sous pouvoir encore. Et Samdou l'apprend fait TikTok avec lui. Seule façon pour haïtien négocier avec la République dominicaine, si et seulement si Abinadel pas président encore. Parce que l'homme garde réaction paquet dominicain. Gen dominicain, en pile dominicain, le peuple dominicain, pas gen problème avec haïtien. C'est le raciste Abinadel qui n'est même pas un dominicain. Tu es vini, le vini. Monsieur pas dominicain. Et d'ailleurs, bon journaliste. Qui est Ingrid Jorge? En femme, il casse maintenant, mes Abibi. Il rappelle que c'est Albinos qui est pas, il pas dominicain. Il rappelle ça, oui, mon journaliste. Je vais vendre un petit dossier là-dedans. Ah, moi, c'est fâché. Ça veut dire que seul moyen pour Haïti négocier avec la République dominicaine, faut qu'Abinadel, pas président encore, ait l'autre gouvernement. Et n'a décidé pour négocier bagay yo. Et yon nan bagay pour négocier avec le Dominicain. Ça fait question.
checker passeport chaque mois, son vol organisé, faut yon finak scandale ça. Respect, dignité, caractère, personnalité. Bagay ça ou pas vendre dans marché. C'est ou même qui créé yo qui fait yo. Ou aujourd'hui là, c'est pas du lait et n'ka constater. Moi c'est m'pa vle di moi seul non. Même c'est parmi moun ko ka pran comme référence sur réseau social yo là. Li difficile pour wè gon baga ka parler d'Haïti pour pa wè. Nan moun y a tag yo pou m'baladan. C'est pas bon matin le rete el vin comme ça. Moi travail ça pour me gagner. Ça dit respect, personnalité, caractère, dignité. C'est pas bagay yo vann a tè yo vann nan marché. Ça dit nous en face on est qui par un main nous. Bon et ça me t'a dit avant. Comment d'accord pour manger dans mon nèg qui ennemi nous? Nous n'a pas joie avec nous, n'a pas joie avec vie nous tout. Ou pas manger dans mes ennemis ou? Parce que moun yo pas besoin nous. M'attendé magistrat Santiago Abel Martinez k'ap pale. Monsieur reconnaître que c'est boss là. Mais le sentiment patriotique l'oblige. Nèg la obligé défendre pays, mais il reconnaît pas gen commerce, pas gen business sans Haïti. Yo konn ça. Et m'pral fè entendre tout à l'heure la kèk réaction. Abibi trouvé l'anti souliel pour l'instant. Haïtien doit continuer kembe flambeau résistance là. Nous son peuple qui passe misère. D'ailleurs, si nous sortis dans l'esclavage, nous résister. Faut continuer faire résistance. Et foi ça, c'est une résistance qui a mené nous dans niveau pour nous reprendre escamp figuine nous t'ai perdu. Et une bagaille nous constater, nous faire sans l'état obligé vinn joindre nous. Ah, notez ça hein. Ça bon oui. Attendez oui. Combat n'a mené nous mener sans l'état. L'état qui senti que nous mettait le dehors, l'état vinn joindre nous. En règle générale, c'est l'état qui doit bailler coup d'envoi pour nous joindre l'état. Mais dans cas ça, c'est l'état qui vient joindre nous. Parce que l'état, même l'état pas nous ouais que s'il pas vient joindre nous, il compte nous l'a trahi nous et l'a dehors. Parce que haïtien d'accord pour le souffrir mais pour le kembe respect la dignité, pour le prendre responsabilité. Pour une fois dans l'histoire nous. Depuis 1804, pour une fois on marque page l'histoire ça. Face à Abibi. Yo son albinos qui pas respecté nous comme moun. Yo humilié, yo maltraité, yo fait kadejak sou nou an dan aéroport yo, y a humilié jusqu'à présent. On rete là pour l'humain, flambeau libération, flambeau dignité, flambeau personnalité an kembel. Flambeau résistance là. Attention. Ancien directeur général police là, m'a baissé avancer pour nous donner l'essentiel. Léon Charles. Gardez côté Léon t'a vienne parler dans l'émission là. Mais ben, obligé parce que il dit bon cause de oui là. Il dit bon parole et bon parole m'a chercher. Il pas vendre nous non là. Si monsieur te vendre dans OEA là, m'a salambé là sur là. Parce que moi c'est pays m'a défendre et pas un nèg m'a défendre. Si monsieur te gen malè là pour la dou bon ces négociations la blalose même Jacques magistrat on a mettre là cap la lose là que me gen lumière projecteur sur monsieur oui gen pour me vinn li baptiste monsieur pour nous parce que là dans nos rangs point de traître répétez ça dans oreille magistrat on a mettre là dans nos rangs point de traître bye bye comme ça. Allez, si Léon Charles après-midi a été traite nous, m'a bon menti, il t'a mal dormi. Il t'a mal dormi. Il a toujours attendu l'émission. Il t'a mal dormi. Mais là, ils font bête. Faut nous dire ça. S'ils font un coup, faut nous dire qu'ils font un coup. Vous comprenez? Parce que camper devant eux à vous parler pour dire parole l'argent lié, quand même son gros coup, faut apprécier ça. Entendez un extrait
dans l'intervention Léon Charles. Au conseil des quelques faits publiés par le gouvernement de la République d'Haïti en lien avec la construction du canal sous la rivière Massacre, je voudrais faire référence à l'écrivain Eduardo Galeano, journaliste et poète uruguayen, là mon estimable collègue Washington Abdallah serait d'accord avec moi, qui dans son livre « Les veines ouvertes de l'Amérique latine » publié en 1971 dénonce une attitude de non-respect généralement affichée envers Haïti. Et je cite, il faut le répéter jusqu'à ce que les sourds l'entendent. Haïti est le pays fondateur de l'indépendance de l'Amérique et le premier pays au monde qui a vaincu l'esclavage. Il mérite mieux que la réputation qui lui vient de ses malheurs. Fin de citation. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, les malheurs d'Haïti ont été légion au cours des siècles. Et je peux citer brièvement la dette de l'indépendance, les tremblements de terre, les ouragans dévastateurs, les embargos, les crises politiques à répétition et finalement la crise actuelle caractérisée par la violence aveugle conduite par les gangs armés sur une bonne partie du territoire. La principale cause des problèmes auxquels nous faisons face actuellement est l'insécurité généralisée du fait de l'action des gangs armés. En réponse à la demande du gouvernement de la République, inscrite dans la lettre du Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, le 8 octobre 2022, ma délégation profite pour remercier les États membres qui ont contribué à l'adoption de la résolution 2699 par le Conseil de sécurité le 2 octobre dernier, autorisant la constitution d'une mission multinationale d'appui à la police nationale. Ma délégation invite les États membres de notre illustre organisation à contribuer par tous les moyens possibles en vue de permettre à la mission d'appui de se constituer effectivement. Monsieur le Président, la République d'Haïti en a assez des crises. Ce n'est nullement le moment d'en alimenter une autre avec notre plus proche voisin. C'est d'ailleurs ce sentiment qu'a exprimé le Premier ministre Dr Ariel Henry, qui, à une question de journaliste, a répondu en ces termes. Pas de tac au tac avec le voisin. L'essentiel, c'est de trouver une solution. Le gouvernement haïtien affiche une position de sagesse, sans émotion, mais avec maturité. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, s'agissant du différent opposant de la République dominicaine et la République d'Haïti, concernant la construction du canal sur la rivière Massacre, souffrez que je vous présente brièvement quelques faits. Le gouvernement haïtien, dans le but de maîtriser les coûts de la rivière Massacre et mettre en valeur du même coup une partie de la basse plaine de Maribaou, dans le nord-est, a décidé en 2018 d'entreprendre la construction de systèmes d'irrigation pouvant arroser 3000 hectares de terre. Le dit système sera alimenté par les eaux de la rivière Massacre. Celle-ci est un cours d'eau frontalier formé par des affluents prenant source tant en Haïti qu'en République dominicaine. Ainsi, le territoire haïtien contribue largement à générer les débits mobilisables de cette rivière commune. En République dominicaine, elle prend naissance à Pico del Gallo, Loma de Cabrera. En Haïti, elle reçoit au niveau de Contré Bernard plusieurs affluents pour une naissance dans le versant haïtien de la Cordillère Centrale, notamment la rivière de Capotille, la rivière Gens de Nantes et la rivière Lamine. Après environ 10 km comme ligne de démarcation entre les deux pays, elle pénètre en Haïti sur un parcours de 2 km avant de traverser la frontière
au niveau de la borne RH-RD 13 pour un parcours en territoire voisin. Puis elle redevient ligne frontalière jusqu'à son embouchure dans la baie de Mancenille. De la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 9 février 1929 à nos jours, la République dominicaine a construit 12 ouvrages sur la rivière Massacre dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Je répète, de la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 29 février 1929, à nos jours, la République dominicaine a construit 12 barrages, ouvrages sur la rivière Massacre, dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Les travaux de ces ouvrages ont été réalisés de manière unilatérale et n'ont pas été préalablement notifiés à l'État haïtien. Ces infrastructures hydriques en fonction sur le territoire dominicain exploitent plus de 70% des ressources en eau de la rivière Massacre à des fins agricoles et industrielles. Clair, ça les important. Les travaux du canal ont véritablement démarré le 2 avril 2021. Mm-hmm. Peu de temps après, les autorités dominicaines ont dénoncé la réalisation de ces travaux, mm-hmm. arguant qu'il s'agissait. Oui, on a continué, lui. La population haïtienne s'est rendue à Santo Domingo mm-hmm. en vue de faire valoir la position du gouvernement haïtien en présentant et en décrivant l'ouvrage de dérivation. Le 27 mai 2021, à la fin de la rencontre, les deux parties ont signé une déclaration conjointe stipulant notamment dans ses considérants il est établi le droit pour les deux nations d'utiliser les eaux des rivières qui se trouvent dans la zone frontalière de manière juste et équitable. Le 7 juillet 2021, malheureusement, les travaux ont été interrompus avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le mercredi 30 août 2023, des agriculteurs de la plaine de Bamaribaou ont entrepris la poursuite des travaux de raccordement du canal. Le 1er septembre 2023, le Premier ministre Ariel Henry a dépêché une mission sur le terrain en vue de discuter avec les riverains. Le 8 septembre, le gouvernement dominicain a ordonné unilatéralement la fermeture du poste frontalier officiel de Dajabón-Ouanaminthe. Parallèlement, l'armée dominicaine a fait une démonstration de force en mobilisant des engins lourds sur cette partie de la frontière. Le mardi 13 septembre 2023, les gouvernements haïtiens et dominicains ont décidé de commun accord de se réunir à Santo Domingo à travers la table hydrique binationale de la commission mixte bilatérale afin de trouver une solution juste et définitive à ce différend. Le 14 septembre 2023, alors que les deux parties étaient en pleine négociation, un décret présidentiel a été promulgué par le gouvernement dominicain mettant à exécution les menaces proférées 3 jours plus tôt de fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Haïti. Ces mesures unilatérales ont amené la délégation haïtienne à mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. On regarde la topographie. Non, attendez bien. Moi, je ne vais pas entendre la parole. Ti John, tournez-y ça pour nous. Alors, Léon Charles, ce n'est pas parole, il a répété, c'est parole gouvernement, l'hypothé. Donc, c'est porte-parole gouvernement dans OEA. Donc, c'est parole gouvernement, mais l'hypothé. Parce que c'est un gars qui compte dévier parole, yo tout. Monsieur, porte parole là. Vous comprenez ça, il est bien pour elle, il est bien parlé. Et si John tourne un petit parti ça, et ça me remet, ça. Construction, il pape campé. C'est ça, il dit, oui, KPK, il pape campé, tourne dans le quotidien. À mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Mm-hmm. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, mm-hmm.
la construction du canal ne va pas s'arrêter. Ne va pas s'arrêter. Au regard de la topographie de la rivière Massacre, attendez ça. D'une part, ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massacre. Claire. Rivière frontalière et successive, alimentée par des affluents des deux pays. La situation actuelle, caractérisée par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que la mobilisation de troupes militaires du côté dominicain, n'est profitable ni à la République d'Haïti, ni à la République dominicaine. Il y a une urgente nécessité de calmer les esprits et de prendre des mesures concrètes pour une désescalade. Haïti condamne fermement l'utilisation de la menace, des manœuvres d'intimidation et de la désinformation qui ne sauraient se substituer au respect des engagements internationaux. Le gouvernement haïtien exprime sa grande préoccupation face à l'intransigeance des autorités dominicaines. Claire. Il condamne fermement leur récente décision d'agrandir le canal de la Vihia. Avec l'intention officiellement affirmée de dévier complètement les eaux de la rivière Massacre afin d'en priver les utilisateurs haïtiens en violation flagrante du traité de paix, d'amitié, d'arbitrage du 20 février 1929. Claire. Un gros bonnet, yo monté sous lui et ça te fait m'dou. Moun sa yo, nous pas gen ken bagay ke n'bral di ak yo. Yo pas respecté, yo passé dans papier. Lè gen l'autre gouvernement vini et na négocier avec. N'a gen l'autre gouvernement vini tout parce que Ariel pas utile en rien là dans pays, il faut qu'il y aller. C'est-à-dire, lè gen un gouvernement tout neuf haïtien qui monté, lè gen un gouvernement tout neuf dominicain monté, n'a chitak moun sa yo pour négocier avec yo, mais faut bien négocier. Faut bien négocier parce que on ça on pas respecter nous trop ou là ou bien parler Ti John ou bien parler monsieur le président. Oui. La construction du canal ne va pas s'arrêter. Claire. Elle répète là encore. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable. Claire. Non, Ti John, tout n'est pas parti ça Ti John. Ouais là monsieur parle bon parole. Un bon content de discours net. Même dedans un petit cal là-dedans, et monsieur parle bon. Même si son bagaille au bal, il met l'île bien, l'île propre. Faut ne répondre qu'un bé ça. Donc, gouvernement dans OEA, il dit que canal la pape campé. Son douane gagné pour nous construire canal yo. Et bon seul, canal yo, faut nous construire plusieurs. Et ouais, et ça faut mettre accent sur équitable. Qui donc égal égo, juste. Et équitable, égal égo. Yo gen 12 nou gon seul, gen 11 pou nou fouye encore. Parle ti John. Et on allez, la boîte de l'eau, de temps en temps, la boîte de l'eau. Monsieur le président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Claire. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable les ressources à nous partager de la rivière Massacre. Conformément au terme de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929 et aux normes internationales en la matière. Le problème actuel concernant la rivière Massacre, sans sous-estimer les conséquences de sa gestion irrationnelle, paraît être un dossier mineur et une distraction par rapport aux grands défis communs auxquels doivent faire face les deux pays. Car les voies de résolution claires et précises sont déjà prévues dans le traité surmentionné. Claire. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Claire, trois fois le dit là. Le gouvernement haïtien réaffirme le droit du peuple haïtien à un usage juste et raisonnable des eaux partagées et s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes locales pour la réalisation des travaux dans les règles de l'art par les entités qui ont les compétences techniques et légales pour ce faire. Claire. Le gouvernement haïtien lance un appel à la sérénité et réaffirme la volonté de continuer à travailler afin d'obtenir une solution définitive aux différends sur l'utilisation des ressources en eau de la rivière Massacre et à poursuivre en ce sens les discussions alternativement en Haïti et en République dominicaine.
Elle réitère son invitation transmise par la note en date du 15 septembre 2023 du ministère des Affaires étrangères adressée au ministère dominicain des Relations extérieures à reprendre les négociations. Le dialogue étant un élément essentiel aux relations de bon voisinage. Monsieur le Président, la construction du canal sur la rivière Massacre est depuis quelques années l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs en Haïti. Claire. Les Haïtiennes et les Haïtiens ont une solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Wanamet parlent d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK. Rete. Canal là, pap campé. Ah, mon battant de discours. Tidjon, tourne ça encore, Tidjon. Mon battant de Tidjon, battant de discours. KPK le dit, oui, oui. Mon si le on Charles parle avec, il pas en mime, mais s'il parle avec moi. Nous avons dit tout profiter pendant la OEA. Et il faut retourner sur ça. Oui, son coûte n'est pas là, Léon. Là, on va faire un petit coup. Mais il faut retourner sur ça pour nous. Parce que nous avons l'autre bataille à mener. Il fait cas de Jacques, son jeune femme haïtienne, en dans l'aéroport Las Américas. Et il y a un reportage que je vais passer sur l'île à tout à l'heure. D'ailleurs, il y a un campagne qui a fait contre nous là. Pas gagné d'ici l'émission, ça va descendre tout à l'heure. Parce qu'on on campagne a fait là, yo pas voulu parler vérité avec mon blanc. Si Léon dit que là dans OEA là pral parler, m'a dit Léon songe ça, mettez-le dans discours tout. Tout rappeler OEA, non seulement y a violé droit nous, c'est pas violé droit seulement comme si repousser Uber non, y a fait cas déjà sous nous tout en dans aéroport international. Et qui est-ce qui fait ça? Yon agent immigration qui gen bureau le même en dans aéroport. Ouais là les yon faut ba non ti goutte maintenant ça tout dans OEA. Faut rappeler zanmi yon ça comme mon cher le Louis Amago et baron ça le faut parler zanmi yon pour dire mon cher c'est pas ça seulement yon fait nous. Men gon dossier, nous gen deux dossiers n'a traité là, deux dossiers ka déjà. Gon médecin gynécologue, n'té passé ça là. Faut m'voyer ba ou Léon pour ka wè ça m'a parlé là. Faut aider nous. Parce que là, nous, même un avocat, nous besoin de pas nous pour nous rejoindre. Et nous besoin de l'argent tout pour nous kembe dossier ça. Faut parler avec nous, Léon, là. Parce que faut aider. Faut aider. Parce que la vie de fille a menacé. Même document, il y a kembe jusqu'à présent. Prétexte que tu as voyagé avec faux documents. Et puis, il y a kembe, il y a pris talent d'aéroport. Sous l'église, ou est-ce que la gueule ça seulement dans le discours? Et sans souci, on t'a fait, yo dis. Et sans sous son tape fait. Vous comprenez? Bon, mais pas, ou à retourner sous lui. Et faut me tourner bah ça à côté ou pour rappeler président, moun sa ou pas bon moun. Mais ça va régler en aéroport la caillou. C'est pas côté ou moun alle. Côté ça, à côté moun alle, non? Et tout les Haïtiens, en solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Wanamet, parle d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK. Claire. Canal là, pas campé. Ah, on finit. La construction du canal ne va pas s'arrêter. Claire. Vous finissez parler, dis-ce que vous finissez. La construction del canal ne va pas d'arrêt. Si. Ah, claro que si. Le gouvernement de la République d'Haïti réclame le respect de l'intégrité de son territoire. Claire. Sans faire un compte rendu exhaustif de la situation de nos compatriotes en terre voisine. Le gouvernement appelle aussi à la protection de ses ressortissants et au respect des conventions internationales en la matière. Il réitère également l'appel au dialogue entre les deux parties. Claire. Je vous remercie. Merci. Bon discours. Non, bon discours. Gouvernement livre un bon parole là dans OEA. Donc, Léon pote parole là, monsieur bien parlé parole là, li bien dit ça la dia et puis la paix, KPK, canal la pape campé et son vérité, pas rien campé. T'es rien campé? Non, pas rien campé du tout, au contraire, nous bagay ça. C'est parce que ça me besoin haïtien comprendre. Haïtien yo, gèle poko comprendre dimension bataille là. Sous quoi? Des visa, on va acheter visa. Et yo mette embargo sur matériel électronique, ça veut dire, ou pas acheter. De République Dominicaine de matériel électronique fait ciment avec ciment
Et puis tout l'autre produit pour aller construire canal là. Oui, pour aller construire canal là. Et puis il y a réduit main d'œuvre haïtien et haïtien quoi qu'il y ait des équipements que prévoit acheter pour bail secteur monde qui dans secteur agricole là en façon pour capable réduire main d'œuvre haïtien. Est-ce que vous comprenez? Ça sont en haine. Oui. Éclair. Ça veut dire moi-même. Et bien, nous ne pas conscients de ça toujours. Nous ne pas conscients de ça toujours. Ça dit, monsieur, que ouais, dans sa année là, dans toute brigand d'année là, République Dominicaine, mêle bien fond là-dedans. Je ne vais pas vouloir, ouais, non. Même parce que c'est opportunité tout, République Dominicaine, bon, nous, ouais, pendant que Abinadel comme ultranationaliste, il est très raciste, il est très méchant, très pas vouloir. Il ouvre genoux. Mais il est bon, nous, en possibilité de ouvrir genoux. Au moins réveiller pour de bon. Mm-hmm. Oui. Tant que par exemple, décision ça yo, monsieur prend là, bon, peut-être on capable de quelque part les causer, ou bien quelque part les rendre nous inconfortables, mettre dans une situation difficile, mais quelque part tout les bonnes possibilités, ok, pas un problème, ou fait ça, et bien nous-mêmes, pas mal de choses. N'a pas joué. Oui. Mais qu'on dit, c'est l'organe des autorités qui sans vision, qui. Ah, ouais, ouais, ouais. Qui peut-être met à pied au marais, dans pied table République Dominicain. Donc le sens, c'est quand vous avez pas lavé monsieur à terre. Ouais. Élection m'attend là, on sait des listes candidats qui parlent de l'argent dans la République dominicaine. Dans mon série de gros autobus l'autre bord, dans mon série de films pour qu'ils ont est pour les gagner des contrats. Oui. Vous comprenez, vous capable de bailler et film dominicain au contrat. Vous comprenez, il a trié. Dominicain qui est candidat à Haïti, oui. Si. Au moins, la République dominicaine gagne deux candidats. Deux candidats. Pour Haïti dans l'élection qui a vint là. On a le temps d'Edwin Parizeau. Attendez, Edwin Parizeau, on était parlé dans le micro, Michel Alexis. C'est des mesures, dans certains aspects, qui viennent pratiquement isoler Haïti, qui viennent bailler plus problèmes que porter solution. Nous, la première mesure, là, l'Ipral crée un fonds pour la mécanisation du travail agricole, pour réduire l'usage et de la main-d'œuvre humaine. Bon, ça c'est une idée que la République dominicaine gagne depuis des années. Il y a besoin de faire pour la Coupe de la CAN, il n'y a pas jamais arrivé à faire. Deuxième mesure, il y a pour renforcer la présence militaire à la frontière. En plus que nous connaissons qu'il y a construit un mur et qu'il y a envoyé près de 10 000 effectifs à la frontière. Donc, il y a pour renforcer les mesures pour empêcher que gang ta fin réfugié du côté de la République dominicaine pendant que les troupes kenyennes y a débarqué. Troisième mesure, et ça, c'est lui qui y a un élément qui est beaucoup plus intéressé nous-mêmes en Haïti, c'est la fermeture migratoire. Il dit que, mesure ça, ouais, la fermeture pour empêcher que des mouns à partir du territoire haïtien n'aient qu'à traverser vers le territoire dominicain. Donc, la fermeture migratoire qui a été décrétée depuis le 11 septembre, li kembe. Quatrième mesure qui kembe, c'est la suspension définitive de visa dominicain pour les Haïtiens. Donc, ils ont reconfirmé que pas de gain visa et de façon indéfinitive, par contre, qu'ils peuvent reconsidérer mesure ça. Mais tout consulat, et bon, par contre, est-ce qu'il a fait un consulat yo? Parce que consulat, il a fait notre travail tout d'assistance à la communauté dominicaine qui est en Haïti. Mais pour en ce qui a trait à la question de visa, pas gain visa de façon indéfinitive pour tout Haïtien. Et puis cinquième mesure, ça sont mesures tête chargée net, parce que le Conseil de sécurité prohibait l'exportation vers Haïti de ciment fait à part électronique avec d'autres éléments. Mais ça qui peut intéresser nous, c'est ciment avec fait. Je dis très clairement, c'est pour éviter qu'en Haïti, nous qu'a construit des infrastructures qui qu'a constitué des menaces pour l'environnement. Donc, ça veut dire que ça n'a fait actuellement dans le canal là, son menace pour l'environnement. Et puis, sixième mesure, et il va créer des corridors commerciaux. Ouais, dans quatre points frontaliers que nous connaissons déjà, yo. Jimani, et Elias Pina, Pedernal, avec Dajabón. Mais, qu'à travers de points et de corridors commerciaux, ça, yo, il faut que nous passions par un processus biométrique. Donc, pour aller pile contrôle. Mais, alors là, moi, l'on tient en contradictoire. Parce que je t'ai dit que fermeture migratoire là, l'Ikembe. Donc, moun pas traverser d'un pays en l'autre, pour le moins par la frontière. Et puis, septième mesure, là, yo pral contacter le département juridique de la présidence pour que yo mette sur pied rapidement et le règlement, son sort de loi que yo pral prend pour le fonctionnement ou la gestion des marchés frontaliers.
Ils n'ont pas utilisé le marché binational. Là. Donc, demandez-nous comment marché ça va fonctionner si fermeture frontière en ce qui a trait à la question migratoire maintenue. Et non plus, et mesure ça n'a pas dit nous, est-ce que les frontières maritimes et aériennes sont rouvertes? Donc, et ça pile question, et qui est beaucoup clair, et nous, on voit que et ça qu'a fait là, là, hein, eh bien, aller vers un durcissement de la politique dominicaine face à Haïti. Oui, Caraïbes FM, journal créole, vos mots quasiment. Si c'est guerrier, hein? J'aime qui tombe, son équipe bien costumé, vous comprenez, représentant de la police, société civile, et tapis, oui, D'ailleurs, vous voyez l'inauguration au poste de PIA, je vois l'image, je vois la moisson de police couchée. La police, la police couchée. Bon disposition. Tout dépend de poste de péage d'arrivée de Guéret. Ah, même moi, je t'ai coupé. Même moi, je vais couper un ruban. Allez-y, on n'a pas les mains, nous, même nous, style à faire matière. Qui va encore, c'est dans le Nord-Est? Pas de paix. Pas de paix. Bon, ça image vous voyez bon moi là vous comprenez depuis ma PC vous avez dit on va le payer combien pour passer au bureau combien c'est pas mauvais oui c'est pas mauvais c'est pas mauvais parce que mais on t'a fait bail non au moins grâce à notre temps pas grave pas un problème post péage là-bas ils ont bien de ville on va leur rentrer pour faire la journée bon 4 ou bon contribution qui permet que il y a des services qui disponible l'Amérique capable de faire des interventions poste de péage là pas mauvais en soi mais regardez ça vous faire regardez Jean Eiffel là et pour garder mobilisation qui fait pour y inaugurer. Avec l'autorité présente. Oh costume fermica là haut. Tout col Rowan représentant de la police dans le Nord-Ouest. De la société civile, gros mobilisation. Et puis regarde l'image moi même en vérité, prend temps pour me rendre compte son conteneur avec un police couché là. Oui, conteneur, oui, moi commander. Prend temps pour moi ça, même ça va ça pas aucune configuration poste de péage. Et ça me les visions en tout. Oui, oui, oui. Mais visions en tout, faut éclairer. Oui. Faut éclairer. Ou gen doit pas gen gros moyen, mais gon jon pense on bagay, concevre on bagay, et puis a dit que si monsieur de gen kob, ou bien si monsieur de gen gros budget, chef monsieur ta fouba extraordinaire. Regardez, ak zon gade qui salve. Mais pour faire ça, faut gen vision. Faut éclairer. Faut qu'on goût. Oui. La val du diol. Faut qu'on goût. Ça dit gen de gen de bagay qui pi. On est, faut penser grand. Vous comprenez? Mais maintenant, prend temps. Et ça fait nous, ça fait chaque fois nous sentir, nous réfléchir, nous poser le pays, où on fait deux pas en avant ou fait trois en arrière. Il faut continuer, je dans la Ok, bon, ouais, Maïska, et Tabadi pas emmerdé, Maïska. Ok, nous pas emmerdé. La tombe. Ok. Oui là non est-ce que là est-ce qu'on loi est sous ça même qui dit comment pour la mairie et prend l'argent ça comment vous le gérer oui, parce qu'on si bon, si vous couche qui favel tout comment vous oui, est-ce que c'est une décision municipale est-ce qu'on arrêté communal qui pas connait Jean-Pierre Takadil est-ce que gain un texte de loi qui réglementer causer l'argent poste de péage ça moi même pour moi même l'idée pas mauvaise non pas on attend que nous arrivions sur aspect légal là pour moi même l'idée pas mauvaise vous comprenez parce que mairie a besoin d'autonomie pour être capable de faire des interventions. Oui, surtout l'État central. Pour l'État central, vous comprenez? Et si comme ça, le cas servi pour foncer le petit bail. Vous comprenez? Pour foncer une intervention, comment c'est pas de gérer des bagages. Oui, il est utile. Non, bon, si vous avez un exemple, mais ça fait un signe texte de loi qui dit mais comment pour le faire, mais comment pour le faire? Pour limiter la corruption ou bien pour marier un exemple à chaque fois décider de voler l'argent. Ce n'est pas sous ça, ce n'est pas sous l'idée à moi de battre. C'est Jean qui fait bail là, c'est mobilisation qui fait pour aller inaugurer bah là. Faut pas équipe belle. Regarde 10 photos m'a chercher côté aller inaugurer bah là. Regarde texte là on parler de poste de péage. M'a chercher. Oui. Ah mais poste de péage et police couché faut camper, yo gon chaîne yo mettez. OK, gon chaîne sous police couché. Probablement gon conteneur là pour aller gagner des policiers là, police là. OK. On comprend et puis après ça. Moi bah yo fait mon genre l'autre côté, vous comprenez? Bon, en tout cas, comme c'est dans quelle année de là, 2023? 2023. Comme...